je vidais dans le troisième dessous. Ivrogne, immonde, infâme, un plus saoulot que moi, contre une pièce de 100 sous, m'avait vendu sa femme. Quand je l'eus mis au lit, quand je voulus l'étreindre, quand je fis voler sa jupe, il m'apparut alors, j'avais été berné dans un marché de dupes. Remballe tes os, ma mie, et garde tes appâts, tu es bien trop maigrelette. Je suis un bon vivant, ça ne me concerne pas d'étreindre des squelettes. Retourne à ton mari, qu'il garde les 100 sous, je n'en fais pas une affaire. Mais elle me répondit, le regard en dessous, c'est vous que je préfère. Je suis pas bien grosse, dit-elle, d'une voix qui se noue, mais ce n'est pas ma faute. Alors moi tout ému, je la pris sur mes genoux, pour lui compter les côtes. Toi que j'ai payé 100 sous, dis-moi quel est ton nom, ton petit nom de baptême. Je m'appelle Ninette, et bien pauvre Ninon, console-toi, je t'aime. Et ce brave Sados, dont je n'avais pas voulu, même pour une thune, m'est entré dans le cœur et n'en sortirait plus pour toute une fortune. Du temps que je vivais dans le troisième dessous, ivrogne, immonde, infâme, un plus saoul que moi, contre une pièce de 100 sous, m'avait vendu sa femme.